Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 12 juin. Cette vidéo, vous l'aurez jeudi. Voilà, donc c'est la vidéo qui sort tous les jeudis sur ma chaîne. Et je me dépêche de tourner la vidéo, il est 8h. Et je me dépêche de tourner cette vidéo parce qu'après, il va faire chaud, parce qu'il fait très chaud. Nous, on est ici, on monte jusqu'à... hier, on est monté jusqu'à 34. Donc, je me dépêche que le soleil est en train d'arriver en plein dans mes fenêtres. Et après, je vais devoir fermer les volets. Donc, du coup, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé cette semaine. Et on va procéder au tirage au sort et on va démarrer un petit peu la toile ensemble. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bon début de semaine et que tout va bien pour vous. Donc, on va commencer tout de suite par ma petite fleur. Donc, mon projet météo de l'année. Voilà, ma petite fleur de cette semaine. Bon, vous voyez, on commence à monter en température, hein, ça se voit. Vous voyez ? Là, c'était des températures plutôt correctes hein, pour un mois de janvier. Ensuite, on est passé dans le froid. On n'a pas eu tant de froid que ça au final. Hein. Et regarde, enfin froid. Je veux dire vraiment, vraiment très froid. Et ici, ben, on commence à arriver dans les couleurs vraiment plus chaudes. Donc, vous voyez ici, la semaine dernière, j'ai encore été en ces couleurs-là après ici. Ici, j'en ai fait trois, la même couleur que la semaine dernière. Ensuite, ici, alors, vous n'allez pas trop le voir, on dirait que c'est la même couleur. Attendez, je vais essayer de vous avancer. Vous mettre un peu plus, bah, ouais, enfin, même un peu plus au soleil. Sur la... Non, ça va pas. Les trois, alors, vous avez l'impression que c'est tous la même couleur. Et pourtant, non, je peux vous assurer que là, là et là, ces trois-là, c'est une température au-dessus. Et celle-ci, encore une température au-dessus. Là, j'en ai trois, la même couleur. Là, 1, 2, 3, donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il a fait plus chaud, et samedi. Ouais, c'est marrant ça, et vous, vous voyez toute la même couleur. C'est fou. Enfin bref, donc voilà, ma fleur de la semaine qu'on vient de passer est donc terminée. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour les couleurs suivantes. Je suis pressée, quand je change de couleur comme ça, je suis pressée de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai terminé ma petite toile que j'avais eue en partenariat avec la société Penbyte Number D. Alors, je vous ferai une petite vidéo dessus, hein, pour montrer ce qui m'a resté, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Donc, voilà, ma petite toile est donc terminée. Je la trouve très, très jolie. Hein. Je l'ai même déjà lavée et tout. Je l'ai repassée. Je la trouve très jolie. Certaines la trouveront peut-être moche. Hein. Moi, je la trouve très jolie. Hein. Voilà. Donc, je reviendrai dessus. Je ferai une petite vidéo spéciale pour cette toile. Je vous montrerai ce qui me reste comme fil. Je vous parlerai de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pas fait dessus. Voilà, il y aura une petite vidéo, je pense, dans la semaine. Donc, voilà, je n'y attarde pas plus. Du coup, bah, comme j'avais terminé, j'ai commencé ma toile sur le thème de l'été que Lucie m'a offert. Alors, par contre, cette toile ici, alors, je l'ai commencé, j'ai fait donc ce que j'appellerais la première semaine. Vous voyez, ici, 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 vous voyez, hop, voilà, de derrière ce que j'ai fait. Et puis, les points. Voilà, ces points-là. Voilà, et ici. Voilà. Donc, il me reste encore tout ça à faire. Parce qu'en fait, quand j'ai calculé mon nombre de semaines,
Je me suis dit, elle ne sera pas terminée l'été. Donc, je vais essayer de me fixer comme objectif d'en faire un par semaine. Alors, par contre, alors les points sont nickels. Je rencontre juste un petit souci. Alors, par rapport au patron, c'est pareil. Donc, par rapport, quand on prend le patron, quand on prend le point de croix, tout est bon. Par contre, regardez, quand on prend la feuille de présentation, vous allez voir. Regardez. Trouvez pas qu'on n'a pas tout à fait les mêmes couleurs, ils paraissent pas aussi, ils ressortent pas pareil. Alors l'étoile, ça va, mais regardez, le coquillage, ça va, le troisième coquillage ici, ça va, mais regardez celui-ci. Trouvez pas que les couleurs, c'est pas tout à fait pareil. Bon, alors attention, on est dans des belles couleurs, hein, mais je trouve que c'est pas tout à fait kiff-kiff pareil. Bref, c'était pas tellement ça dont je voulais vous parler, mais regardez. Ici, on dirait qu'on a un bleu plus foncé qu'ici. Alors, à la caméra, c'était pas. Ouais, c'est pas folichon. Ici, on dirait qu'on a un trait plus foncé sur cette bande-là que là. Ici, on retrouve tout de la même couleur. Et vous voyez ici, regardez. Ici, on a un. Ah, vous voyez, ici, on est bien sur la. Carrément l'encadrement vert qui est ici. Et là, on a un décalage de 1. Et quand on a un décalage de 1, ici, on a encore des choses qui viennent s'y mettre. Et quand on regarde ici, l'encadrement se termine bien. Il n'y a plus de décalage de fleurs. Vous voyez, il n'y a plus de décalage du cadre. Il n'y a pas de décalage de feuilles non plus. Et quand on regarde sur le patron, on retrouve également le décalage. Vous voyez? Et ici, hop, ça s'arrête. Et ici, encore des choses qui se mettent ici. Et ici, pareil, la feuille, elle se termine après l'encadrage. Donc, je pense que je vais reculer l'encadrement là de 1. Et puis, pas faire ce point-là, du coup, mais avoir celui-ci là. Voilà, je vais le modifier. Je vais le modifier parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas dessus. Donc, voilà. Donc, je vais essayer pareil de démarrer du coup une semaine avant et quand j'aurai un peu plus de temps, pourquoi pas du coup en refaire m'avancer d'une semaine parce que, ouais, si je veux faire un élément, enfin un carré, un élément, je suis désolée. Ouais, donc voilà, je le modifierai. Je suis désolée, je vous ai mis 2 secondes en pause parce que, bah, je fais que me éternuer et me étousser. Il fait 33 degrés et moi j'attrape un rhume. Et mon fils pareil. Tout va bien. Hein? Tout va bien. Bon, voilà, j'ai cru que j'allais réternuer, mais non, c'est bon. Sur ma petite toile de mai. Sur ma petite toile de mai, eh ben, regardez, j'ai pas mal avancé. Tango qui se met en route. Regardez. Alors, la semaine dernière, je vous montre à l'envers. La semaine dernière, j'étais là et il me restait quelques points à réaliser dans ma anse, vous savez, au niveau du rose. Et là, j'ai avancé de tout ça. Et je suis venue refaire aussi quelques petits points dans le blanc. Là, j'étais justement dans le blanc. Alors, attendez, je vais essayer de vous avancer. Le soleil, ça y est arrivé. Pour tourner, c'est compliqué. Voyez? Alors, ici, du coup, je l'ai fait complètement. Et ici, il me reste quelques petits points ici, vous voyez, dans le rose. Il me reste ici quelques petits points. Vous voyez? Ah, bah, comme ça, vous voyez mieux. Quelques petits points comme ça ici dans le rose. Voilà, ici.
Et là, alors je vais terminer. Vous voyez tous les petits points ici dans le rose pour aller ici jusqu'au bout. La fleur ici, je vais pas la commencer, je vais pas la faire. Je vais venir faire finir cette petite fleur ici blanche. Et ensuite, je vais réavancer toute cette partie-là, je pense. Je vais réavancer toute cette partie-là. Vous voyez, faire toutes mes zones de rose et avancer cette partie ici. Pour cette semaine, hein, je pense. Après, je ne me mets pas la pression parce que voilà. Mais je vais essayer de faire cette zone-là ici. Vous voyez, donc finir tous mes points, la rose, et essayer d'avancer cette partie-ci. Avancer cette partie-ci. Je ne dis pas qu'elle sera terminée. Et comme ça, après, je pourrais revenir dans cette partie ici, dans le bleu, et après venir faire la fleur ici. Donc, ouais, je pense que je vais faire comme ça. Donc voilà pour celle-ci. Celle-ci, je trouve qu'elle a bien avancé en une semaine. Tout en sachant que je ne fais pas que ça. Voilà. Et maintenant, on va passer à la case du coup de la semaine que j'ai réalisée. Et on va procéder au tirage au sort de la prochaine. Alors, je vais vous reculer. Donc, pour rappel, c'est cette toile ici. Que j'avais également eu avec mon partenariat Penbite Number D. C'est une 11CT 3 brins, 22 couleurs. Ma feuille, j'ai intérêt de la mettre dans une pochette plastifiée parce qu'elle est en train de morfler. Donc voilà. Oh là. Bon, attendez, je vais essayer de vous retourner dans l'autre sens. Voilà, j'ai changé de côté et j'ai dû faire ma volée. Donc voilà. Donc je laisse la première semaine, j'ai fait cette case ici. Et cette semaine, c'était la numéro 9 qui était ici. Voilà. Donc, on va donc procéder au tirage au sort de ma prochaine case. Alors, du coup, tout a bougé de place. Hop! Comme tout a bougé de place. Alors, la 9, il me semblait que la semaine dernière, je l'avais déjà enlevée. Voilà. Alors, ma roulette. Et on va. Ouais, la 9, je l'avais enlevée. La 31. Donc, cette semaine, ça sera. Ah bah, la 31 est juste à côté de la 32. Et j'ai fait la 32 la première semaine. Alors, 31. Du coup, alors la 9, hop, voilà, elle est faite. Et ça sera la 31. Ah, c'est vrai, c'est encore mon crayon qui va plus. J'en ai d'autres, hein. C'est juste, je pense que j'y pense pas ou j'ai la flemme de le sortir. Alors, du coup, bah, 31, on va regarder ce que c'est que la 31. Donc, je vais tout de suite la supprimer. Hop. Voilà, terminé. Voilà, donc la 31, je l'ai enlevée. Voilà. Et on va regarder du coup ce que c'est. Ben, ça va être celle juste à côté. Donc forcément, ça va être celle-ci. Ça va être cette zone ici. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais faire avec vous ce petit carré-là. Juste un petit carré, hein, avec vous. De façon à papoter un petit peu. Et puis ensuite, eh ben, moi, je vous laisserai pour cette semaine concernant mon point de croix. Alors,
Bon, là, ce que je vais faire cette semaine, c'est que bah, forcément, je vais faire ma case ici. Je vais refaire, donc, du coup, ma toile sur mon projet météo, hein, et ainsi de suite, hein. Je vais avancer ma toile de mai et puis celle d'été, hein. Je vais rien reprendre d'autre pour le moment. J'ai envie de repartir sur une autre. J'ai envie de repartir. Alors, attendez, je vais prendre ma couleur. C'est le 7. Je sais pas, mais je suis perdue là ce matin. J'étais en train de faire une autre toile avant de. Enfin, j'étais en train d'avancer un petit peu et. Bon, j'en prends un complet parce que. Façon, il va me les falloir. Je me trompe pas, c'est bien 7. Hein, ouais. Et ouais, j'étais en train de faire ma toile, m'avancer mon blanc dans ma toile de mai. Juste un petit peu, hein, en attendant de pouvoir tourner la vidéo. Et du coup, le fait de ne pas avoir la même toile et de changer de couleur. Alors, c'est un fond jaune aussi. Et je suis dans le blanc avec le fond jaune. Et là, je suis pas. Là, je suis dans le vert kaki clair, on va dire. Donc. Voilà, allez. Bon, bah, il n'y a pas plus que ça. Bon, alors, il n'y a pas plus que ça à calculer, hein, puisque c'est juste celui à côté. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Vous allez me dire, je vous l'ai déjà demandé. Moi, ça va à part ce rhume. Alors, en début de semaine, on avait toujours froid. Enfin, en fait, il y avait du soleil, mais on avait du vent. Donc, le vent était assez froid. Donc, du coup, on n'avait pas cette sensation de chaleur. Et là, d'un coup, d'un seul, je vais vous avancer un petit peu quand même, que vous voyez ce que je fais. Voyez un petit peu ce que je fais quand même. Je suis là. Et d'un coup, d'un seul, on est monté, donc de 24, on est monté à 30 et 33 degrés, quoi. Donc, insupportable. Enfin, devoir tout refermer. Alors que la veille, enfin, ce qu'on disait, ça m'étonne pas qu'on est malade parce que la veille, le soir, on avait un gros gilet, quoi. Hein, la veille, ça, vous avez dû le voir sur mes vidéos de la semaine dernière. Hein, j'avais un truc rouge à longue manche et par au-dessus, j'avais mon gros gilet que je mets à la maison. Mon gros gilet gris, là, très chaud. Et voilà quoi, on passe du tout au tout. Bon là ici encore matin, il fait encore frisquet. Donc vous voyez, j'ai mis un fin petit truc comme ça. Mais avec un t-shirt en dessous. Mais ouais, enfin. On passe de tout à. De tout à. Enfin. C'est insupportable du jour au lendemain. Quoi. La veille, on a encore la couette dans son lit. Et le lendemain, on n'a plus qu'un drap, quoi. Hein, nous, c'est de l'extrême à l'extrême. Soit qu'on caille, soit qu'on crève de chaud. Donc voilà. Donc là, je vais faire ce petit carré avec vous pour ce matin. Là, je vais le mettre en route et la vaisselle. Ensuite, je suis désolée pour Tango, hein, mais comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas changer Tango de pièce. La cage est trop grande, je ne peux pas le transporter nulle part. Ouais, j'ai mis en route la vaisselle. Hier au soir, bah, j'avais fait de la vaisselle à la main parce que j'ai de la vaisselle que je ne passe pas au lave-vaisselle. Puis après, tout ce qui est gros plats, tout ça, je ne les passe pas non plus au lave-vaisselle. Donc du coup, sinon ça prend une place monstre dans la vaisselle pour pas grand-chose. Donc là, je vais aller ranger cette vaisselle parce que je ne l'ai pas encore rangée. Voilà, hier au soir, j'en avais marre, je l'ai laissé comme ça. Je vais aller ranger ça. Enfin, elle était mise dans l'évier avec un torchon propre, hein, par au-dessus. Hein.
Donc voilà. Et puis ensuite, ben, on a fait hier midi, on n'a pas fait barbecue. On a mis parasol à côté du barbecue parce qu'il faisait vraiment chaud. Et on avait fait des brochettes de dinde. Et du coup, j'avais fait une salade de tomates. J'avais fait de la macédoine. Qu'est-ce que j'avais encore fait? Des concombres et une salade de pâtes. Donc du coup, il en reste pour ce midi. Donc j'ai pas à préparer tant que ça à manger pour ce midi. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller cuire mon rôti. Je vais cuire un rôti de porc. Là, tout de suite après, dans le Cookéo. Et comme ça, on va le laisser tiédir, comme ce sera tiède pour ce midi. Avec tous ces restes d'hier. Donc voilà, ce midi, ça va être cool, assez rapide. Et puis, bah, là, mon mari est de l'après-midi. Et mon garçon et ma fille sont du matin. Donc au moins, il n'y a pas de stress pour réchauffer ou cuire pour à peine. Voilà. Ensuite, je vais mettre ça en route. Ensuite, je vais faire mes poussières. Et puis, je vais essayer de laver ce matin ça, le salon. Parce qu'après, cet après-midi, c'est pas trop possible. Il va faire trop chaud. Donc ouais, je vais faire ça ce matin. Voilà, il est 8h30, donc j'ai largement le temps. C'est quand même pratique, hein, un Cookéo. Alors après, je pourrais le cuire aussi à l'air fryer, hein, mais j'ai l'habitude de le cuire au Cookéo, donc. Alors là, j'ai encore un partenariat qui est arrivé. Donc je voyais également encore vous tourner la vidéo. Alors je sais pas si je le ferai cet après-midi, mais même si tous les volets sont fermés, bon après je peux allumer, hein, j'ai mes lampes et mes, bon voilà, allumer les lumières ça m'embête un peu, mais bon j'ai mes lampes, donc ma red light et puis une lampe de bureau comme chez mes loisirs créatifs. Donc ouais, je tournerai peut-être ça cet après-midi. Oups. Et ben, j'avais commandé une chose et puis quand j'ai revu qu'elle m'a envoyé le lien, j'ai mis OK. Quand j'ai regardé, vous savez, pour préparer la vidéo, hein, relever les prix, etc., j'ai dit, oh, zut! Je me suis trompée. J'ai pris point compté. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'avais pris trois toiles, trois. Ouais, j'avais pris trois toiles. Alors je dis, oh, bah, c'est pas grave, c'est pas gênant. Et en fait, elle m'en avait marqué qu'une parce qu'en fait, ils sont tous les trois le même lien. Et il n'y a que les mois qui changent. Oh, je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, j'en aurai qu'une. Allez, je dis rien. C'est pas grave, je la ferai en point compté. Quand je m'étais déjà trompée sur une autre, je me dis, bon, ça en fera deux petites en point compté. C'est pas trop gênant. Et en fait, non, non. Elle m'avait mis les trois que j'avais demandé. C'est juste qu'elle n'avait pas mis les liens des trois puisque les liens étaient identiques. Donc, j'en ai à nouveau trois à faire en point compté. Donc, ça m'en fait 3, 4, 5. Non, 3, 4. C'est de ma faute, hein. C'est moi. Bon, c'est pas grave, hein. On les fera en point compté. Mais là, je vois bien, ce matin, j'ai voulu essayer de commencer celle de février, parce que je dis, oh là, ça va m'en faire beaucoup quand même. On voit que j'ai plus l'habitude qu'on voit, on travaille tout le temps sur des toiles imprimées. Le compté, je trouve que ça, c'est. Ouais, voilà, enfin.
faut réfléchir, quoi. C'est vrai que celui-là, on le fait comme ça et puis c'est tout. Donc, falloir que je réimprime la feuille et puis barrer ce que j'ai fait parce qu'après, je suis perdue. Hein. Quand on n'est pas que sur celle-là, ouais, je vais être perdue. Si à chaque fois, il faut tout vérifier les points qu'on a fait. Donc, j'ai abandonné. Hein. Ce matin, j'ai fait une vingtaine de points et puis j'ai dit stop, j'arrête. Faut que je m'organise autrement. Là, j'attends encore un colis aussi. Donc vous, quand vous aurez eu la vidéo, logiquement, le colis sera arrivé. J'ai reçu un message de la poste me disant qu'il arrivait mardi. Et là, celui que je dois vous tourner, il est arrivé samedi. J'en ai déjà reçu. J'ai reçu deux. Ouais, deux partenariats. Ouais, deux partenariats. Là, je vous dis, j'ai le troisième qui vient d'arriver. Ouais, on a du décalage. Écoutez, ouais. On a du décalage. Mais j'avais pas vu hein, quand je l'ai reçu sur le coup je me dis ah on voit bien les symboles, elle est nickel. Ouais, elle est nickel, mais son décalage est nickel au ciel. Canon, vous entendez que les canons? Ça, c'est les bêtises de mon mari qui lui apprend ça. Bon, là, j'ai bien repris le rythme avec les DP, des points de croix. C'est juste que j'arrive pas encore à instaurer dans ma routine le point noué. Voilà, j'en ai fait un petit peu. J'avais dit, oh là là, il est très grand. Donc j'avais dit, je vais essayer d'en faire au moins 1 heure. 1 heure par jour, essayer d'en faire ou 3 lignes. J'avais dit 1 heure ou 3 lignes. Enfin, 1 heure, ça fait à peu près 3 lignes. Donc j'avais dit à peu près 1 heure, 3 lignes. Bon, il y en a, ils vont plus vite que d'autres à faire, mais voilà, j'étais partie dans ce concept-là et j'arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas, donc. Bon, c'est pas grave, je me dis les semaines où j'en ferai plus, bah il y aura moins de points de croix. Ou... Voilà, hein, dans ces cas-là, bah, j'ai dit les semaines où c'est pas possible, où il y en a moins, et bah, où j'en ferai plus, bah. Dans mon point de croix, il y aura celle-ci et puis la toile d'été, hein, ma case de la semaine, enfin ma case, mon sujet, on va dire, mon sujet de la semaine. Et puis celle-ci, ma case ici. Et puis après, ben, c'est tout, hein, si j'arrive pas à aller plus loin, si j'arrive pas à avancer sur les autres toiles, c'est pas très... Ah si, et puis ma fleur, mais là ma fleur c'est tous les dimanches, donc elle va vite à faire.
Donc si j'arrive pas à avancer sur ma toile de mai, j'avance pas sur ma toile de mai, et puis c'est tout. Hein. Hier j'ai fait un colo, enfin dimanche j'ai fait un colo aussi. J'ai fait un colo pour un défi. On a fait un défi hashtag. Hashtag défi de l'été. Sur le groupe. Donc on peut y mettre ce qu'on veut. Donc un DP, un point de croix, un colo mystère, un colo autre. Carte à gratter. Je vais faire mon petit bout là. Carte à gratter, point noué, enfin vraiment tout. Donc là, hier, j'ai réalisé. Donc on a tout l'été. Hein. Donc là, moi, hier, j'ai réalisé mon colo, comme ça, il est fait. Et là, du coup, j'ai sorti le tropique. J'ai sorti le livre tropique. Et je pense que, ouais, je commence à. L'envie du colo me revient. Donc, forcément, si l'envie du colo me revient, il y aura forcément moins d'épées. Ou forcément moins de points de croix. Mais bon, après, c'est pas une course contre la montre. Hein. Je me dis, ce qui est fait est fait, ce qui est pas fait est pas fait. Même si ici, si, mon défi n'est pas terminé, tant pis, hein, je rattraperai plus tard. Mais bon, les défis, enfin, mes cases, tout ça, je vais essayer de m'y tenir parce que, voilà, bon. Et du coup, ouais, je vais essayer de travailler sur ce livre parce que hier soir, je regardais. J'ai commencé hier après-midi. Hier soir, je regardais, puis je me dis, mais il est magnifique ce bouquin. Mais alors, j'ai fait peu, vraiment peu de colos avec. Et puis, je me dis, mais pourquoi j'ai. Enfin, il est magnifique. Je l'avais trouvé très beau. Et pourquoi j'ai peu de colos réalisés avec? Et en fait, en regardant bien, je me suis dit, ah ouais, c'est les fonds. Les fonds sont blocs. C'est des blocs. Donc, comme c'est bloc, et ben j'abîme beaucoup mes crayons et puis c'est beaucoup rengaine en fait. C'est ça le problème. Donc voilà pourquoi au feutre, ça se voit trop. Crayon de couleur, c'est bloc, c'est. Ouais. Mais bon, tant pis. Je vais essayer de l'avancer. Je vais essayer de l'avancer. Alors, je ne dis pas qu'il y en aura des tonnes et des tonnes dans le mois, mais ouais. Ouais. Bon, là aujourd'hui je risque d'avoir parce que j'ai l'impression que ça arrive. Des maux de tête et les yeux qui vont fatiguer plus vite. Là, forcément, hier, pas moyen de dormir avec la chaleur. Et ce matin, levé à 5 h. Génial, génial. Bon, ça me dira peut-être une petite sieste, je serais bien. Sauf si j'ai continué de savoir mal à la tête, ça te donne dans les yeux. Et ça, c'est dû au rhume. Hein. C'est pas seulement la fatigue, c'est dû au rhume aussi. Alors, j'aime pas dormir l'après-midi parce que ça m'est arrivé quand aussi. Je sais plus.
Vendredi. Ouais, vendredi. Vendredi, pareil. La nuit de jeudi à vendredi, j'ai très mal dormi. Très, très mal dormi. Je me suis pas endormie avant 2 h du matin. J'étais en mon lit, hein. Je traînais pas en bas, hein. J'étais dans mon lit. Mais j'arrivais pas à dormir. C'était une horreur. Une horreur. Et pareil, levé de bonne heure. Vendredi après-midi, je forçais pour pas dormir. Je dis, il faut pas que je dorme parce que sinon ce soir, j'ai pas réussi à dormir de bonne heure. Et puis je m'étais mis en fauteuil. Je m'étais mis en fauteuil. Et puis au final, je me suis levée et le chien a pris ma place. Donc je me suis en canapé. Alors ça a été mortel. Bon bah voilà, hein, mon premier petit carré là. Voilà ce que j'ai fait. Hein. Moi j'avance doucement, mais vous voyez, j'aime bien. Voilà, j'aime bien avoir des traits vraiment nickel. Et vous voyez, je mords à chaque fois. Du coup, là, je mords dans le rouge. Donc bon, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Donc là, ça devrait aller pour les. Ouais, je sais pas. Non, bah là, je pense que du coup, vous voyez, là, la prochaine couleur, ça va être cette partie rouge ici. Et puis, pour essayer de pas être obligé de reprendre le plan et faire les petites zones. Bon, là, je suis partie sur celle-là parce que. Voilà, mais ouais. Bon, on n'est pas encore parti ici dans ces zones ici en haut. Hein. Donc voilà, bon bah écoutez, hein, on se retrouve du coup jeudi prochain pour la suite. Et puis voir où j'en suis arrivée. Sur ce, moi je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. J'espère que mes petites vidéos du jeudi vous plaisent. Bye bye tout le monde.